Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir de la vidéo bilan un petit peu de mon année coloriage, donc cette année 2021. J'adore ce type de vidéo et je suis super contente de pouvoir la tourner moi-même puisqu'il y a plusieurs années, l'année dernière, il y a 2 ans, c'était moi qui regardais ces vidéos et voilà, je trouve que c'est toujours hyper inspirant, hyper encourageant, motivant de voir un peu ce que les autres ont réalisé. Donc c'est mon tour et ça j'en suis super contente. Donc vous voyez ici mon tracker 2021. Donc en fait ça me permet aussi de vous montrer mon bujo colo puisque je vous l'avais déjà montré dans une vidéo mais on m'a reposé la question. Tout comme ça, écoutez, je vous montre vite fait. Donc ça c'était bon pour l'année 2021 mon tracker. Donc d'un côté mon tracker perso on va dire. Vous voyez j'avais que 3 objectifs cette année, c'était vendre mes vêtements bébés, donc j'ai pas trop avancé cet objectif, faire les travaux de la maison, il nous reste plus que 2 choses, donc ce sera pour 2022 mais c'est super cool parce qu'après ce sera fini, et enfin faire des montages vidéo pour mes enfants. Donc en réalité je suis arrivée ici, j'ai oublié de les colorier mais voilà je fais pas assez, je fais pas assez ça et pourtant bah voilà je trouve que ce serait important quand même que je le fasse. Donc ce sera un objectif pour l'année prochaine, hein, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise, il faudra juste que je prenne le temps. Donc ici, vous voyez mon tracker colo. Donc je vais vous le réexpliquer parce que certaines ne l'avaient pas compris. Je trouvais ça très compliqué alors que moi je trouve ça hyper simple. Mais parce que voilà, je pense que c'est une question d'habitude. Moi je suis enseignante en histoire géo comme vous le savez. Et en géographie, on a l'habitude de faire des cartes. Et qui dit cartes dit légende, enfin des croquis même plus précisément. Qui dit croquis dit légende. Et donc forcément, moi je comprends très bien que quand c'est du jaune dans Anna Carvey, je vais voir, c'est mon seasons, voilà, tout simplement. Donc ici, vous voyez que clairement, y a un petit déséquilibre dans ce que j'ai réalisé. Donc hop là, on aura l'occasion d'y revenir juste après. Donc avant de parler de ça, je voulais donc vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, j'ai un mois, et ensuite j'ai ma PAC. Et ensuite, j'ai une wishlist et puis éventuellement des idées de vidéos pour le colo. Donc, je vais vous montrer si je trouve ça. Donc, ça sera pour 2022. Comment je fais? Hop. Donc, ça, en fait, ou alors je mets les challenges aussi, ça peut m'arriver. Donc, vous voyez, j'ai toujours une page comme ça, coloriage avec ma pack. Et donc, en fait, ici, ça vous montre mes projets éventuels. Si je les ai réalisés, je mets une petite croix. Et quand je les poste, je mets une petite croix également. Voilà, c'est un peu mon organisation. Donc, je fais ça chaque mois. Et donc, si je reviens à l'année, 2021. Oui, qui était là. Donc, je vais faire le bilan en 3 parties parce que je trouve que ça s'y prête assez bien. Donc déjà, en première partie, je vais vous parler de mes colos réalisés, de mes réalisations. Donc niveau réalisation, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal colorié. J'ai fait une centaine de colos, je crois 103, un truc comme ça, mais j'ai fait quand même pas mal de coloriage. Et on voit quand même que j'ai beaucoup colorié dans Anna Carlson et dans le Disney. Donc j'avais 4 objectifs l'an dernier en termes de livres. Je voulais avancer mon season, donc vous voyez là, c'est quand même pas mal. J'en suis à plus de 20 colos à l'intérieur et je l'avance tranquillement. Ça c'est plutôt un objectif en cours de réalisation. J'avais aussi comme objectif mon vitro 1. Vous voyez lui aussi, il est en train d'avancer tranquillement mais sûrement. J'avais mon Géomorphia de Kirby Rosane, donc lui il est en vert clair et vous voyez, j'ai commencé l'année en le coloriant et puis finalement après je l'ai complètement lâché celui-là, donc il faudrait que j'y revienne. Voilà, je sais pas si je le remettrai dans mes objectifs cette année, en fait là j'ai pas préparé, donc je sais pas encore quels seront mes objectifs de cette année, donc on va voir ça ensemble. Et enfin, dernier objectif, dernier livre que je voulais avancer, c'était le Tania Bond. J'avais pour objectif de le terminer et il est terminé, donc je vous l'ai amené comme ça. On va pouvoir le feuilleter ensemble, puisque voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un truc fini, on va dire. Alors, le voici, le voilà. Je vais enlever mon petit bijou en dessous. Donc, je les ai reliés, comme je vous l'avais montré en vlog, avec des anneaux aux champignons. Je trouve ça assez pratique. Je les ai plastifiés, puisque voilà, je ne voulais pas colorier dans le livre. Donc ça, c'était mon scorpion, je l'avais fait l'an dernier déjà. Mon sagittaire, que j'aime beaucoup, et je l'aime toujours beaucoup ce colo, alors que pourtant, il commence à dater un petit peu. Le capricorne, bon, je ne l'ai jamais trop apprécié celui-là, mais bon. Voilà, c'était un test pour les hirogitaines. Mon verso, que j'aime énormément. Mon bélier. Avant, il y a le poisson, que j'aime bien aussi. Vous avez ensuite le bélier. Mon petit flop dans ce livre, mais bon, c'est pas grave. En le re-regardant maintenant, je me dis, oui, il est pas très joli, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, le taureau que j'aime beaucoup, mon gémeau, je pense que c'est mon colo préféré dans celui-ci, c'est le portrait où j'ai le plus essayé d'ombrer, de voilà. Alors après, par contre, avec la plastifieuse, je trouve que ça fait des marques pas très 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 jolies, mais bon, c'est pas hyper gênant non plus. Mon cancer, que j'aime bien. Mon lion, oui, il est raté d'impression. Mon lion que j'aime bien aussi. Ma vierge, bon voilà, sans plus, j'aurais dû repasser un peu pour effacer un petit peu les traces. Et enfin, donc ma balance, voilà, que j'aime pas spécialement. Et ensuite, j'ai mis le Amandine que j'avais réalisé pour le concours de Panoramix Mix et ma Kida de la biche créative. Et donc après, je mettrai aussi Pousselina quand je l'aurai plastifié. Voilà. Donc, ceci étant fait et étant dit, on reprend. Donc mes objectifs, qui étaient Avancer de Season, le Vitrol, le Geomorphia et le Tanya Bond, ils sont, je vais dire, remplis. Donc mes objectifs pour l'année prochaine. Donc puisque, hop, quoique non, je vais d'abord vous faire ce que, en deuxième partie, voilà, ce que j'ai fait, où j'en suis. Donc en tout cas, en termes de réalisation, je suis super contente. Donc deuxième point, ce sont mes achats. J'avais pour projet en 2021 de moins acheter. En même temps, j'avais tellement acheté la première année que je m'étais dit, c'est bon, t'as tout, arrête d'acheter. Finalement, j'ai acheté beaucoup trop. Encore du matériel inutile, comme vous l'avez vu dans mon vlog de tri là. Donc, j'ai retrié derrière et maintenant, je vais essayer vraiment de me cantonner à ce qui me plaît, d'arrêter de trop me disperser. J'avais dit qu'il fallait que je teste en même temps de nouvelles choses et c'est ce que j'ai fait avec de l'acrylique, avec de l'aquarelle. Enfin voilà, je suis sortie de ma zone de confort, ça c'était un objectif. Mais je crois que maintenant que j'ai un peu tout testé, il faut aussi que j'arrive à me centrer sur quelque chose pour mieux peaufiner une chose. Et clairement, j'ai l'impression que l'acrylique, j'aime pas. Je prends pas de plaisir, j'ai l'impression de galérer et je crois que je vais laisser ça aux autres parce qu'en fait, si ça ne nous procure pas de plaisir, je pense que ça sert à rien. Peut-être que j'y reviendrai dans un an, dans 6 mois, quand j'en aurai envie, mais là, j'ai l'impression de me forcer parce que c'est un peu le truc du moment et moi, ça me plaît pas. Donc, je vais lâcher l'acrylique pour le moment. J'avais comme objectif aussi, donc de moi acheter, c'est pas trop trop réalisé, même si on compte en gamme de crayons. La première année, j'ai acheté 6 gammes, je crois, et la deuxième, j'en ai acheté que 4. Donc vous voyez, je commence à réduire un peu progressivement. Cette année, j'ai bon espoir d'en acheter que 2. Voilà, on y reviendra après. Et j'avais dit utiliser des tutos, continuer d'essayer de m'exercer, tout ça. Ça, pour le coup, pas trop. Il faudrait que je fasse des tutos plus, et je me suis remis cet objectif cette année, vous allez le voir. Donc vous voyez, j'ai acheté 12 livres, 4 gammes de crayons cette année. Et enfin, dernier point pour les réseaux sociaux, donc énorme. J'ai atteint les 1000 abonnés sur YouTube en octobre. C'était pas du tout un objectif. L'objectif, c'était de faire mes vidéos régulièrement. Et je pense que là, le contrat, il est rempli. La plupart du temps, vous avez eu votre petite vidéo du dimanche. Donc ça, j'en suis super, super contente. Mais voilà, et en plus derrière bah, les abonnés qui suivent, ça fait super plaisir. Je crois que là, fin décembre, on est à 1200, donc voilà, c'est énorme. Et en même temps, ben, ça va aller avec mon autre point sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que à force de voir les autres réalisations, bah, malheureusement, et je pense qu'on est tous humains, on se compare un peu. Et j'ai eu à cause de ça cet été un gros coup de mou en me disant mais moi j'y arrive pas, moi je bloque, je fais toujours la même chose, les autres ils font des trucs de dingue, moi je sais pas faire ça. Mais en même temps c'est normal, moi je colorie depuis 1 an et demi, il y en a qui colorient depuis 2 ans, et puis on colorie pas tout au même rythme. Donc heureusement que j'ai eu cette réflexion derrière parce que sinon je pense que je me serais vite découragée, que j'aurais limite arrêté. Parce que voilà, le fait d'être confrontée tout le temps aux autres et souvent à des gens meilleurs que soi, hein, faut pas le nier, et ben, ça peut être un peu démotivant. Donc j'ai essayé là depuis septembre d'arrêter de me comparer. Ça me fait du bien, franchement, de plus de me dire bah oui, elle a bien réussi son colo, mais moi je m'en fiche. Moi j'aime réaliser des colos, j'aime finir des colos. Et je pense que là, avec ce bilan, bah, je peux dire que oui, je finis des colos. Et si c'est ça qui me procure du plaisir, et ben, il faut que j'accepte ça, hein, et que je me dise que voilà, c'est pas grave si je fais pas plus beau que les autres. Donc voilà, ça sera mon objectif vraiment 2022. Donc j'anticipe un peu. Donc 2022 sur les réseaux sociaux, j'aimerais arrêter d'avoir des phases un peu de ah oh, mais ma publication elle est pas assez likée, ah oh, mais ma vidéo elle a pas été regardée, ouais mais parce que tout ça, ça me gâche mon plaisir. Et je dis ça quand c'est moi qui le dis, enfin qui le pense sur mes vidéos à moi, mais c'est pareil quand je vais voir par exemple un post de quelqu'un. Sur, je sais pas, en story qui dit oui, plus personne like mes colos à cause de l'algorithme Instagram. Oui, mais on le sait en fait. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais moi après avoir vu ça? Bah, je vais regarder mes publications et je me rends compte que, ah oui, moi aussi j'ai moins de likes et donc du coup, bah, ça me fait réaliser tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais
En fait, c'est un peu un engrenage, quoi. Les réseaux sociaux, une fois qu'on est dessus, on a l'impression qu'il faut toujours faire la course aux abonnés, aux likes, aux commentaires, aux machins. Donc voilà, je vais essayer là cette année d'arrêter ça. De toute façon, je me dis, niveau YouTube, si on est 1200, c'est bien parce qu'on est 1200 personnes, sympa. Pour le moment, j'ai jamais eu de vrais haters. Alors j'ai des dislikes, mais bon, ça, j'en fais mon affaire, j'ai envie de dire, tant pis, c'est le jeu. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de commentaires méchants. Alors des commentaires un peu piquants de temps en temps. Mais pas de la méchanceté quoi. Donc juste voilà un petit point sur le fait que j'achète alors que j'en ai pas besoin, enfin tout ça, mais ça c'est le jeu. Et je comprends en même temps parce que quand j'ai commencé le coloriage notamment, je jugeais beaucoup celles qui achetaient beaucoup, donc je comprends totalement et j'en veux à personne là-dessus. Donc il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que voilà, au moins 1200, je me dis, on est une communauté sympa. J'ai peur que quand on commence à avoir plus d'abonnés, souvent bah, ça attire aussi des gens pas sympas. Donc limite, je suis contente d'en être que là et je fais plus, voilà, j'ai plus comme objectif de faire grandir ma chaîne particulièrement. En plus de ça, le fait d'avoir atteint les 1000 abonnés, bah, ça me permet quand même de la monétiser. Donc je vous avais déjà expliqué, hein, en toute transparence, vraiment, je tiens là-dessus parce que moi, j'y connaissais rien du tout à la monétisation YouTube avant de moi-même faire les démarches. C'est super pénible de le faire. Enfin, voilà, soyons honnêtes, moi qui suis allergique à la paperasse, à l'administration, à tout ça, bah, il a fallu remplir plein de trucs, attendre des papiers, remettre des codes et tout. Hein. C'est une galère sans nom. Et enfin, j'ai pu accéder à la monétisation, donc sachant que voilà, c'est pas une rémunération de dingo, mais il y a quand même des sous à la clé, parce que j'ai touché mon premier versement Amazon. Donc pour rien vous mentir, en 2 mois, j'ai gagné 70 euros. 70 euros, c'est énorme. Enfin voilà, c'est énorme, et c'est grâce à vous, parce que vous regardez ma chaîne. Donc oui, c'est de l'investissement de temps pour moi, c'est aussi beaucoup de plaisir, bien plus de plaisir que d'investissement, enfin soyons honnêtes, moi j'ai ouvert ma chaîne pour partager. Cet argent, c'est un petit plus et je vais pas cracher dessus parce que clairement, ben voilà, on a tout envie d'avoir des sous, hein, voilà, pour acheter, notamment quand on a une passion comme le colo, bah c'est très 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 onéreux. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de dire que voilà, si tous les 2 mois je peux avoir 70 euros, je vais pas cracher dessus. Alors, ce sera pas tous les 2 mois, là c'était exceptionnel parce que j'ai eu des vidéos particulièrement vues, donc notamment mes hauls. Et mes vlogs, mais ce sera, voilà, je sais très bien que c'était l'affaire de ces mois-là et puis que derrière il n'y aura pas autant, mais voilà, c'est quand même énorme. Autre chose, les liens Amazon, voilà, je vous le dis régulièrement, c'est pareil, vous passez dessus, vous ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me donne des centimes et ces centimes, enfin, à force, ça va me faire normalement des bons d'achat et des bons d'achat Amazon quand on a une passion comme nos colos, bah c'est voilà, c'est énorme quoi. Donc merci à tous de passer par ces liens parce que vous êtes nombreux à passer. Idem pour les publicités sur YouTube, vous êtes beaucoup à les regarder et pas à les passer. Je m'en rends compte parce que parfois il y a des vidéos qui rapportent beaucoup d'argent alors que vous n'êtes pas énormément à regarder. Donc je pense que c'est les gens qui vraiment voilà prennent à cœur ce qu'on fait et qui se disent bah oui. En compensation, je regarde une pub ou je la laisse passer, vous la regardez pas, mais voilà. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire parce que vraiment ça nous rapporte quelque chose. Donc encore merci. Donc les réseaux sociaux à double tranchant, comme je disais, très positif parce que bah, de l'échange avec vous. Donc merci aussi à celles qui mettent des commentaires parce que une vue c'est gentil, un like c'est super gentil, mais un commentaire c'est inestimable parce que nous on prend du temps pour tourner la vidéo, pour monter la vidéo, pour mettre en ligne la vidéo, pour parfois remplir la barre d'infos. D'ailleurs, barre d'infos, vous avez aussi mon lien Craftelier, n'hésitez pas à passer dessus, hein, vous vous souvenez. Mais voilà, donc tout ça, Craftelier, c'est pour acheter les Seagulls, il y a aussi des palettes Prima là, moi qui me font de l'œil personnellement, on y reviendra après. Mais en tout cas, voilà, merci à tous pour celles qui et ceux qui commentent, parce que vraiment ça, bah, c'est en fait la base même de l'ouverture d'une chaîne YouTube. Si on ouvre une chaîne, c'est aussi pour échanger. Enfin, c'est surtout, pour moi en tout cas pour ma part, c'était surtout pour parler de ma passion, pour pouvoir échanger. Et ceux qui laissent des commentaires, vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir. Il y a des vidéos. Donc moi je poste souvent le dimanche, je pense que vous l'avez remarqué. Il y a des vidéos, voilà. Moi le dimanche, je suis pas sur les réseaux, pas trop parce que bah, j'ai mes enfants, donc je m'occupe d'eux. Hein. C'est un peu la base. Sinon, je ne ferais pas d'enfants, n'est-ce pas? Je n'en aurais pas fait. Donc je suis avec eux et c'est vrai que en fait le soir, quand je me pose et que je regarde un peu YouTube, tout ça, avec plus de, on va dire, plus d'attention et que je vois qu'il y a plein de commentaires sous ma vidéo, ça me fait tellement plaisir de voir que ça réagit, ça blesse un petit mot gentil. Et puis un dimanche, j'ai posté une vidéo et genre le soir, je me connecte, j'avais 3 commentaires. Et ça m'a fait, et c'est pour ça que c'est aussi à double tranchant, ça m'a fait un peu de peine. Je me suis dit, ah mais, bah personne n'a commenté quoi. Mais en même temps, bah c'est pas grave. Je veux dire, normalement, ça devrait pas changer ma vie. C'est moi aussi qui prend à cœur. Donc c'est à moi aussi de faire l'effort de pas, voilà, de rien attendre en retour. Mais c'est vrai que voilà, n'hésitez pas si vous avez l'occasion, le temps, de laisser un petit commentaire, juste
un truc gentil pour bah, parce que ça fait plaisir en fait, hein, tout simplement d'avoir des retours, et c'est aussi pour ça, c'est surtout pour ça même qu'on poste. Voilà, donc ça c'était pour l'année 2020. Maintenant on passe à l'année 2021. Mon tracker est là, donc je l'ai refait à peu près de la même façon. Je me suis mis donc mes trois parties pour les objectifs parce que sinon c'est trop galère à retrouver. Donc voilà. Donc ça c'est mes objectifs d'hiver. Je vais faire une jauge aussi, donc on verra. Hein. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Mais je pense que je vais essayer de rajouter des choses. Je sais pas encore. Ça on verra. Donc en attendant, mes objectifs colo de cette année, j'en ai un. Premier, c'est de commencer tous mes livres. Vu que j'ai plein de livres maintenant, puisque j'en ai acheté encore 12 cette année, alors que j'avais dit qu'il fallait que j'arrête, j'en achète moins, l'idée, c'est bah, de tous les entamer. Voilà, t'as voulu acheter des livres, tu les entames. Et d'avancer, soit avec les étoiles. Donc c'est le Magical Dawn. Je voudrais continuer de participer à notre défi, parce que c'est pas le mien, hein, à notre défi Magical Dawn. Le Seasons, vraiment, voilà, j'ai envie de continuer à l'avancer. Le Vitro 1, puisque je l'ai quand même bien attaqué aussi. Et pour remplacer le Tanya Bond, je vais mettre celui de la Biche Créative, le Sweet Memories, parce que bah, clairement, c'est un livre qui me plaît. Donc j'ai envie de l'avancer également, et même de le finir, puisque mon objectif, ce serait quand même de refinir un livre cette année. Je vais pas me fixer le Seasons, parce qu'il me reste plus de 70 colos, donc je sais que je ne les ferai pas. Mais si celui-ci, avec 20 colos, je sais que je peux le faire. Donc voilà, ce sera mon objectif. Je voudrais continuer à participer au challenge, et notamment le challenge Délices que j'ai adoré. Je sais que Maëva aussi a lancé un challenge, elle va faire ça sur 2 mois, donc j'aimerais participer de temps en temps. Audrey avait peut-être envie aussi de lancer le sien, enfin bref. J'ai plein de colocopines qui font des challenges, donc l'idée ce serait d'essayer de participer au maximum. Ceux des couleurs d'Alex aussi, de continuer, ouais, tout ça. Donc vous voyez mon tracker, hein. Manifestement j'ai pour projet de colorier beaucoup de Clara Markova et beaucoup moins de Kirby Rosanne, de Kuikowska, de Lydia Loberg, puisque vous ne l'avez pas encore vu, mais j'ai eu un petit cadeau de Noël en rapport avec elle, hein, vous vous doutez bien. Amandine Young, j'aimerais vraiment aussi bien me lancer dans ses livres. Clara Markova, vous voyez, j'ai mis 2 lignes parce que je me suis dit que comme j'avais pris beaucoup de plaisir cette année, possiblement j'allais plus colorier dans son univers et Disney. Donc ensuite. Donc dans ma deuxième partie, on va dire, d'objectifs, c'est-à-dire en termes de matériel, d'achat, tout ça, l'idée, ce sera de moins acheter. Donc en termes de livres, par exemple, j'ai un objectif, à savoir 4 livres. Le Anna Carson qui va sortir en avril, comment ça s'appelle? Le Kirby Rosanne, peut-être, le Mythic World, on verra comment il est, mais peut-être que je craquerai, ça c'est pas sûr. Peut-être le Clara Markova aussi, si jamais il me plaît. Et enfin, peut-être le Amandine Young, qu'elle risque de sortir 2022, j'imagine, puisqu'elle est sur son troisième livre. Donc, je pense qu'elle le sortira l'année prochaine. Donc, ces 4 livres-là. Et j'aimerais bien me contenter de ça. Je sais que c'est. Moi, enfin. Je sais que c'est pas réalisable, parce que je sais que je vais craquer sur d'autres choses, mais j'aimerais bien vraiment me restreindre à ça. J'aimerais tout utiliser, mon matériel, arrêter de mettre des trucs de côté, tout utiliser, tout réutiliser. Et ce qui me plaît définitivement pas, bah, je referai un tri comme la dernière fois et je vous referai gagner un petit lot. Voilà, tout ça, c'est important parce que j'en ai marre d'en passer. J'aimerais bien terminer, même si je pense que c'est infaisable, en tout cas, bien entamer et faire descendre mes crayons Castelart et Brutuner, parce que ces crayons, même si je les aime bien, on est d'accord, ce sont des moyennes gammes, et maintenant que j'ai énormément de gammes artistes, ça sert à rien, enfin ils me servent à rien, parce que ben voilà, m'acheter un Luminance à l'unité, ça me coûtera toujours moins cher que de m'acheter une boîte de Brutuner, vous voyez, pour remplacer celle que j'ai finie. Donc voilà, je vais bien 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 les attaquer dans mes vitraux, et j'espère que l'une ou l'autre sera vraiment bien descendu à l'année 2022. Vous allez me dire, c'est bizarre de vouloir finir des crayons, mais ouais, ce serait mon objectif pour en avoir moins. En termes d'achat, il y a 3 choses qui me font envie cette année. Donc les Holbein, mais ça c'était déjà le cas en 2021. Donc là, je me suis dit, dès que tu peux les avoir, boum boum, tu fonces. Parce qu'il y en a marre d'attendre, de se frustrer. Je suis une grande frustrée là à cause des Holbein depuis plusieurs mois. Donc là, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Dès que tu les vois dispo quelque part à un prix raisonnable, j'entends raisonnable, c'est-à-dire pas 385 euros sur Amazon France, ni 300 euros sur Vinted, alors que les crayons sont bien attaqués. Ça, je trouve que c'est abusé quoi. Les gens sur Vinted qui profitent de la rareté des choses pour les vendre très très trop cher, je comprends pas. Bon, bref, voilà, peu importe, parenthèse fermée. Donc, le Holbein, quand je les trouverai à un prix raisonnable, les aquarelles Prima, il y a 4 boîtes qui me disent bien, il y a 4 palettes qui me disent bien. Donc, je prendrai peut-être pas les 4 parce que sinon ça servirait à 100 euros, mais je pense que j'en prendrai une de temps en temps pour me faire plaisir. Peut-être avec les bons Amazon, passez par les miens!
Ma fille, elle n'en veut plus. Et enfin, les icicles. Alors pareil, eux, on ne les trouve plus. Ils étaient sur la centrale Beaux-Arts et puis je ne les vois plus. Mais eux, ils me disent vraiment, ces icicles, ils ont l'air trop jolis. Et dernière chose, donc, pour mon bilan un peu réseaux sociaux, mes objectifs. Vous voyez, j'ai fait pareil, hein, j'ai laissé 1000 possibles, même si je ne vise pas les 2200. Je sais que ça va être très compliqué. En tout cas, j'espère continuer de poster régulièrement mes vidéos. Une par semaine, ce serait idéal. Je sais que ce n'est pas toujours faisable, donc je ne vais pas mettre la pression non plus, mais je vais essayer de tenir le rythme. Et terminer les vidéos tests de crayons, les speed coloring qui vous plaisent bien et que moi j'aime beaucoup tourner. Donc ça, il faut, j'aimerais beaucoup réaliser au moins ces objectifs-là. Donc je pense que c'est faisable tout ça, hein, on va dire que oui. Je suis assez contente de mon année 2021 en termes de coloriage. J'espère qu'en 2022, ce sera aussi riche. Merci encore à vous d'être là, de commenter, de réagir à mes vidéos, de mettre même des likes sur Instagram. Enfin, ça m'encourage vraiment énormément. Donc merci encore. Et puis écoutez, j'espère encore plein de belles choses pour 2022. Je vous souhaite une très belle année, une très bonne journée aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !